le brisement. Brokenness. Nous allons voir la vie dans l'état d'homme brisé. We are going to study the life in the state of a broken man. Notons ceci. Let's write this. Le lever du soleil sur Israël, c'est-à-dire sur Jacob. The sun rise on Jacob. Fait de lui un homme nouveau. Make him a new man. Un homme brisé. A broken man. Nous avons maintenant devant nous. We now have before us. Un homme qui boite. Someone creeping. La parole de Dieu dit. The word of God says. Lis pour nous Genèse 32 verset 21. Genesis 32 verse 21. Genèse chapitre 32, le verset 21. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. So Jacob's gift went on ahead to him, but he himself spent the night in the camp. Vous notez ceci. Write this. Le soleil de Dieu. The Son of God apporte la paix, l'amour, le pardon, la restauration et la réconciliation. Brings peace, love, forgiveness and reconciliation. Et le frère a fait remarquer que un homme, même s'il n'est pas brisé, peut avoir plusieurs levées de soleil, c'est-à-dire des situations qui paraissent être des bénédictions, des lieux de bonheur. Brother Zach told us that a man, even if he is not broken, can have multiple sunrises. It means times of blessings in his life. Relis pour nous le verset 31. Read for us verse 31. Genèse 32, le verset 31. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Amen. The sun rose above him as he passed Peniel, and he was limping because of his hip. Amen. Vous notez ceci. Write this. Un homme non brisé. A not broken man. Ne peut pas expérimenter des levées de soleil divin. Cannot experience divine sunrises. Vous notez ceci. Write this. Dieu fait briller son propre soleil sur tous ceux qui acceptent le brisement de Dieu. God makes his own sun shines on all those who accept his brokenness. C'est-à-dire tous ceux qui décident de mettre fin à leur lutte. It means all those who decide to put an end to their struggles. Le brisement ne vient que quand on décide de ne plus lutter avec Dieu, de ne plus résister au plan divin de te briser, de te rendre, de t'humilier pour t'élever. Only when people decide to not struggle, to not fight with God. Quand Dieu brise un homme, when God breaks a man, il laisse en lui et sur lui des marques permanentes. He leaves on him and in him some permanent marks. Dieu n'essaye pas de briser, il brise effectivement. God does not try to break, he breaks. Dieu brise. God breaks. Et il nous aide à demeurer brisés. And he helps us to remain broken. Il brise. He breaks. Et il t'aide à rester dans l'état d'homme brisé. And he helps you to remain in the state of a broken man. Lis pour nous Naomi, Naomi
chapitre 1, verset 12. Nahum, chapitre 1, le verset 12. Ainsi parle l'Éternel. Quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te touche, when God touch you, pour te briser, to break you, il le fait de façon permanente. In a permanent way. Tu dois dire gloire à Dieu. You must say praise the Lord. Parce que si ce cri te frappe, tu te lèves. Après, il te frappe encore, tu tombes. Tu te débrouilles, tu te lèves et puis tu te frappes. Là, ça allait être malheureux pour tous les hommes. Because if it was he beats you, you fall down and wake up, and he beats you again, this could be hard for everyone. Il brise. He breaks. Et il fait de toi un homme qui va boiter toute sa vie. And he will make you a man limping all his life. Ça te contraint à rester humble. It forces you to remain humble. Je veux t'humilier. I want to pour ne plus avoir à t'humilier. So that I must not humble you again. Pourquoi la lutte peut-elle durer parfois? Why can the struggle, the fight last sometimes? Dieu ne brise pas quelqu'un qui est encore vigoureux. God does not break someone who is still strong. Tant que tu penses, as long as you think, que tu as encore de l'énergie pour lutter, that you still have energy to fight, Dieu va te garder dans le champ de lutte. God will keep you in the area of battle. Les années passent. Yes, go. Tu es là. And you are still there. Vous luttez. You are struggling, you are fighting. Le jour, the day, où tu dis, oh Dieu, je cède. You say, oh God, I stop. Bénis-moi. Bless me. Quand ta force naturelle est finie. When your natural strength is over, il te donne dans le chaos pour que ton énergie là ne revienne plus. He gives you the KO, the quick out, so that your energy does not come back. Et quand l'homme cède, and when the man gives, chaque homme sait le jour où il a cédé, où il a dit à Dieu, everyone, je suis fatigué, knows the day he stopped, the day he said to God, I am tired, I am overwhelmed. Bénis-moi. Bless me. Comment t'appelles-tu? What's your name? Au début, tu n'as même pas besoin de le connaître. Tu luttes seulement. At the beginning, you even don't need to know him. You just fight, struggle. Il y a un jour, there is a day, où tu demandes, where you ask, comment tu t'appelles? What is your name? Tu dis, je connais le vaudou, les tétépans, les goli. I know vaudou, I know tétépans, and goli. But you, tu es fort comme ça. Qui es-tu? You are so strong. Who are you? Ce jour-là, this day, il sait que tu es arrivé. He knows that you have reached him. Bam! Alors, tu n'es plus le même. And you start limping. You are not the same. Là, même si la folie passe, tu restes le même. At that point, even if your foolishness stop, you remain the same. Quelqu'un te dit, viens, on lutte. Tu dis, non, je n'ai pas la force. Someone asks you, come and let's fight. You say, no, I don't have the strength. L'Éternel m'a brisé. The Lord has broken me. Notez ça très bien. Write this carefully. Quelqu'un peut se poser la question, pourquoi Dieu ne me brise-t-il pas? Someone can ask himself, why is not God breaking me? Il attend. He is waiting. Que tu baisses les mains. That you stop. You stop fighting. Que ta débrouillardise est finie. That all your ways stop. Your own ways. Ta résistance naturelle est finie. Your natural resistance stops.
Là, il dit, maintenant, je veux t'humilier then pour he que says, cela ne se répète plus jamais. He says, I want to humble you so that this does not happen anymore. Frère, brothers, pour prêcher l'évangile, to preach the gospel, il faut aimer les hommes. You must love people. Pourquoi? Why? Pour tromper l'homme. To deceive a man. Ce n'est pas difficile. It's not hard. Il suffit de mentir seulement. It just takes that you lie. Les gens aiment le mensonge. People love lies. Si je dis à quelqu'un, tu as mal à la tête, il y a l'armée de Satan t'a attaqué, ils sont 1 milliard. Et les maux de tête, là, c'est 1 milliard de démons ont atterri sur ton cerveau. If you tell someone, your headache is due to 1 billion of demons on your skull, il va croire. He will believe. Une sœur m'a rendu un témoignage. A sister gave me a testimony. Elle a rencontré quelqu'un. She met someone. Il dit, tu es lié par 36 chaînes. He said, you are bound by 36 chains. Je lui ai dit, hey, arrête, ne va plus là-bas. Je lui ai dit, I ne va plus là-bas. Don't go anymore there. Bientôt, il va te dire qu'il faut 1 an pour briser une chaîne. Next, he will tell you that it takes 1 year to break a chain. Donc, tu finis dans son camp. So you will end in his camp. 36 ans. 36 years. C'est pour cette raison que dans certains camps, il y a les boutiques là-bas. This is why in some camps, we have shops. Une autre sœur a croisé un monsieur. Another sister met a man. Il lui donne sa carte de visite. He gives a business card. Il dit, tu as besoin de grands combats. He told her, you need very great battles. Et il est parti. And he left. Car la sœur m'a dit, j'ai dit, hey, il faut when déchirer. She came, il établit un contact. I said, throw it. He just setting a contact. Il veut que tu le cherches. He wants you to look for him. Pour mener ces grands combats-là. To go through these great battles. Qu'est-ce que je veux dire? What do I want to say? Certains problèmes. Some problems. Sont organisés par Dieu lui-même. Are organized by God himself. Pour ton bien. For your goodness. Ça, c'est cet évangile-là que les gens ne connaissent pas. This is the gospel people that do not recognize. Un jour, le Seigneur m'a dit, one day the Lord told, enseigne à mes enfants à me craindre. Teach my children. Parce qu'ils craignent le diable. Because they fear the devil. Ils ne savent pas que je suis, c'est moi qui ai maudit. J'ai maudit l'homme à cause du péché. They don't know that I am the one who cursed man. Because of sin. C'est lui qui peut jeter les pécheurs dans le lac de feu. He is the one who can throw the sinners in the lake of fire. Jacob est aujourd'hui, il botte. Qui a frappé? C'est Dieu. Jacob is limping today. Who bought him? It's God. Bam! God. Est-ce que c'était le diable? Was the devil? C'est la main de Dieu. It's the hands of God. Dis, c'est la main de Dieu. It's the hand of God. Dis, mon frère. My brother. C'est la main de Dieu. This is God's hand. Dieu veut te briser. He wants to break you. Ça peut durer 50 ans. It can last 50 years. Il est écrit. It's written. Il ne se découragera point. He will never be disappointed. Jusqu'à ce qu'il fasse triompher la justice. Until he makes justice win. Il a le temps. He has time. Il est éternel. He is eternal. Si tu veux que la lutte dure. If you want the fighting, the battle to last. Jusque dans l'éternité, il est là. Till the eternity, he is there. Si tu meurs, on t'enterre. If you die, we'll bury you. Dis, mon frère. Say, my brother. C'est la frappe de Dieu. It's the knockout of God. Un faux prophète viendra te dire que tu es lié par 36 chaînes. Moi, je te dis, mon frère.
a false prophet. J'ai les révélations sur la délivrance. J'ai les révélations sur le brisement des liens. J'ai les révélations sur le renversement des principautés. J'ai les révélations sur l'exercice de l'autorité spirituelle. Mais ton cas là, Dieu s'est levé contre toi. I will tell you, my brother, I have a revelation of the breaking of evil ties, of the overthrowing of principalities and many ministries. But your case is the hand of God against you. Tu peux décider. You can decide. Que ce combat finit aujourd'hui. That this battle stops today. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ne déchirez pas cette page de l'Évangile. Do not tear this page of the gospel. Je peux te tromper que c'est les démons qui t'attaquent. I can deceive you that it's demon attacking you. Et tu vas te réjouir. You will rejoice. Que le pasteur a reçu une révélation. That the pastor got a revelation. Que Satan m'attaque. That Satan is attacking me. Mais mon frère. But my brother. Je ne gagne rien. I win nothing. Et tu ne gagnes rien. And you win nothing. À écouter ce mensonge. By listening these lies. Quand Dieu doit te briser. When God will break you. Personne ne peut te délivrer. No one can deliver you. Et il ne va pas rater. And he will not stop. Les sages cèdent le plus tôt possible. The wise ones give up the soonest. L'apôtre Paul. Apostle Paul. Il est tombé. Boom. Fall down. Saul, Saul. Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Why are you persecuting me? Qui es-tu, Seigneur? Who are you, Lord? Je suis Jésus que tu persécutes. I am Jesus you are persecuting. Qu'est-ce que je dois faire? What shall I do? Ça, c'est la question d'un homme qui a cessé la lutte. This is the question of a man who has stopped. The battle. Que faut-il que je fasse? What shall I do? Lève-toi, va à Damas. Stand up and go to Damas. Là-bas, on te dira ce que tu feras. Over there, they will tell you what you should do. Et Paul n'a plus jamais été le même. And Paul did not remain the same at all. En fait, in fact, l'opération de repentance, the operation of repentance, devrait clouer quelqu'un une fois pour toutes à terre. Should put someone down forever. Comme le frère Zach disait, as brother Zach said, beaucoup ont enlevé l'élément essentiel de la conversion, le renoncement et le dépouillement. Many have removed essential element of conversion, renouncing and uncovering. C'est pour cette raison que ça dure, ça prend du temps. This is why it lasts and it takes time. Vous voyez Jacob. You see Jacob. On lui dit que tu étais dans le sein de ta mère. Dieu a dit que tu seras grand. He was said that he, being in the womb of his mother, God told him that he will become great. Ça ne lui a rien dit. It does not matter to Mais him. Il veut. Il vole le droit de naissance, il vole la bénédiction, il s'en va de loin. Il travaille 14 ans pour se marier. He went and worked 40 years for his in-law. Il paie le troupeau avec zèle. He just make the flock graze with zeal. Il est devenu riche. He became rich. Il a les femmes. He has wives, les enfants, children, les servantes, servants, le troupeau. The flock, l'argent, money, mais il n'a rien. But he has nothing. Il tremble. He's trembling. Il n'a pas de pays où rester. He has no land where to stay. Ça c'est quand toi-même tu te débrouilles, c'est ce que ça produit. It is when you are struggling by yourself that produce this. Il tremble à la pensée qu'il va rencontrer son frère. He is trembling at the thought that he is going to meet his brother. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le frère Zach a dit. Brother Zach said. Je cite. I'm quoting.
Le Seigneur avait démis l'emboîture de sa hanche. The Lord broke his waist. Et avait permis qu'elle reste démise. And allowed it to remain like this. Afin que la personne demeure brisée. So that he remain broken. Et en permanence. And permanently. Et que par là. And by that. Il dépend en permanence du Seigneur. He permanently depends on the Lord. Est-ce que nous sommes à ça? Are we together? Vous notez ceci. What is this? Quand le soleil de Dieu se lève, il ne se couche plus. When the Son of God rises, he does not sleep anymore. Dieu est extravagant dans son amour. God is extravagant in his love. Alléluia. Amen. Le frère Zach dit, Brother Zach said, je vais citer, ainsi, then, Jacob traversa la crise du brisement et devint une personne sur qui le soleil de l'amour de Dieu se leva et brilla. Jacob went through the crisis of brokenness and became a man on which the Son of God rises. Ainsi, Jacob traversa la crise du brisement et devint une personne sur qui le soleil de l'amour de Dieu se leva et brilla. So Jacob went through the brokenness of God and became a man on which the Son of God rises and oui. Shined. Yes. Oui. Ce soleil se leva pour briller et pour ne plus jamais se coucher. Yes, this sun rises to shine and to never be quenched. Le point de la crise du brisement. The point of a crisis of a brokenness procure un frais départ avec Dieu. Brings a new heave with God. Là où, ça veut dire là où le brisement se produit. Where brokenness happens. Et aussi là où tu profites pour repartir avec fraîcheur dans ta relation avec Dieu. Is the point you start a new life with God. C'est un départ qui conduit à des richesses infinies. It's a new depart which leads to infinite riches. Et il dit, gloire soit au Seigneur. Fin de citation. And he says, praise, glory be to God. End of quote. Lis pour nous. Read for us. Genèse 33, versets 1 à 3. Genesis 33, verse 1 to 3. Genèse 33, versets 1 à 3. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux. Il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Amen. Jacob looked up, and there was Esau, coming with 400 men. So he divided the children among Leah, Rachel, and the two female servants. He put the female servants and the children in the front, Leah and the children next, and Rachel and Joseph in the rear. He himself went on ahead and bowed down to the ground 7 times as he approached his brother. Amen. Dis gloire à Dieu. Say praise the Lord. Notons ceci. Let's write this. Nous remarquons ici we que Dieu n'avait pas épargné Jacob de la rencontre avec son frère Esaü. We notice here that God did not spare Jacob from the meeting of his brother. Pour beaucoup d'entre nous, for many of us,
Quand Dieu doit t'aider, when God want to help you, il annule l'adversité, il élimine tes ennemis. He remove your enemies. Comme ça, tu regardes dans le désert, tu vois, il n'y a aucun obstacle sur le chemin, aucun adversaire qui se tient devant toi. And you look at in the wilderness and there is no enemy, no adversary before you. Jacob est déjà béni. Jacob is already blessed. Il s'appelle Israël. His name is Israel. Mais son frère est toujours là. But his brother is still there. Avec ses soldats. With his men. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Après le brisement, after the brokenness, nous pouvons remarquer que Jacob a toujours peur de rencontrer son frère. We can notice that Jacob is still afraid of meeting his brother. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et dans le livre, and in the book, le frère explique que le brisement, the brother explained that brokenness, ne détruit pas ta personnalité. Does not, et tes sensibilités. Does not destroy or change your personality. Il a toujours or your peur. Feelings. He is still afraid. Un jour, le Seigneur me faisait comprendre que la foi n'est pas l'absence du doute. One day, the Lord made me understand that faith is not absence of doubt. La foi triomphe du doute. Faith overcomes doubt. Donc, quand tu as la foi, il y aura d'abord la présence du doute. So when you have faith, there will first of all be the presence of doubt. Et tu dois exercer la foi pour détruire ce doute-là. And you must make your faith work to destroy this doubt. C'est pour cette raison qu'il est écrit, bannis la crainte. This is why it is written, banish fear. Ce sont des sentiments. There are feelings qui peuvent habiter tout homme. Which can be in everyone. Et nous devons triompher. And we must overcome. En exerçant la foi. By using our faith. Donc Jacob est déjà béni. So Jacob is already blessed. Son nom a déjà changé. His name has already changed. Mais il a peur. But he is scared. De ce combat qui est devant lui. He is afraid of this battle before si you. Si une peur traverse ton esprit. If a fear cross your mind. Ce n'est pas un grand problème. It's not a great problem. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. It does not mean that God is not with you. Parce qu'il y a des gens qui se repentent toujours, Seigneur, pardonne-moi, j'ai douté, pardonne-moi, j'ai douté. Dieu ne te dit pas, pardonne-moi, j'ai. Il dit, il faut triompher la crainte par la foi. Because there are people always repenting, God forgive me because I doubted. God is not taking that into account. He just wants you to overcome doubt by faith. Si c'est une montagne, if it's a mountain, tu la vois, you see gigantesque, it gigantesque, big, tu dis toi montagne, you say you mountain, tu vas entrer dans la terre, you will enter into the earth. C'est ça la foi. This is faith. La foi ne peut pas dire que Dieu te dépose. Il n'y a pas d'épine, rien, pas de montagne, pas d'adversaire. Tu so veux même faith is not tu cherches même les adversaires. Just set you up. There is no spine. There is no mountain. De telle sorte que tu ne peux même pas savoir si tu es champion ou pas. In a way that you cannot even know if you are a champion or not. Parce que pour être champion, faut battre quelqu'un. Because to be a champion, you must fight and win someone. Tu arraches le titre. And you take the promotion. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez ceci. Write this down. On remarque aussi. We also remark que les préférences. That the preferences. Au niveau des épouses. Of the spouses. Les préférences. The preferences. Au niveau des enfants. Of the children, les préférences, the preferences, au niveau des servantes, with the servant, of servants, n'ont pas changé.
did not change. Et retenez ça très bien. Keep it very well. Il y a un travail que tu dois faire. There is a work you must do. Quand tu es brisé. When you are broken. Ce travail était impossible avant. This work was impossible in the past. Parce que tu aimais la lutte. Because you loved fights. Maintenant c'est facile. Now it's easy. Parce que tu ne luttes plus. Because you are not struggling Donc, anymore. Tu confrontes les situations. So you are facing situations. Et tu t'appuies sur la puissance de Dieu, l'aide de Dieu. You trust and you count on the help of God. Pour avancer. To go forward. Avant tu luttais. In the past you Maintenant, used to tu fight. T'appuies sur Dieu. Now you are counting on God. Pour avancer. To go forward. Quand il y a l'adversaire. When there is an adversary. Tu t'appuies sur Dieu. You count on God. Pour combattre. To fight. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu veux que les promesses de Dieu s'accomplissent. If you want the promises of God to come to life. Tu t'appuies sur Dieu. You count on God. Parce que la désobéissance annule les promesses de Dieu. Because disobedience cancels. Et Dieu conditionne toujours ses promesses à l'obéissance. It means that God always conditions his promises to obedience. Le brisement brokenness n'a pas pour but de détruire la personnalité du croyant. Has not for purpose to destroy the personality of the believer. Le brisement te rend plutôt libre. Brokenness set you free. Le brisement permet à ce que tu sois rempli du Saint-Esprit. Brokenness allow you to be filled with the Holy Spirit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, and when you are filled, comme le Seigneur Jésus l'a enseigné, as the Lord Jesus taught it, tu es comme le vent. You are like the wind. Le vent souffle où il veut. Wind blows where it wants. C'est ça qu'on appelle la liberté. This is what is called freedom. Tu ne vis plus par des pulsions et des instincts. You are not living now upon your desires. Tu n'es plus manipulé par tes sentiments et tes préférences. You are no more led by your feelings and your desires. Les choses changent. Things change. David prend la tête. Avant, il était le dernier. In the past, he was the last. Maintenant, les préférences sont là. Now preferences are there. Mais but il passe devant. He goes before. Sa vie, his life, n'est plus précieuse à ses yeux comme avant. Is no more precious at his eyes like in the past. Pour un homme brisé, for a broken man, sa vie n'est plus précieuse à ses propres yeux. His life is no more precious at his own eyes. Il peut céder sa place à quelqu'un. He can give his place to someone else. Il peut accepter de mourir et laisser les autres en vie. He can accept to die and to let the other live. Le brisement permet à l'homme brisé de renoncer facilement à lui-même. Brokenness allows the broken man to renounce easily to himself. Et de penser aux autres. And to think about the rest, the people. Lis pour nous Jacques chapitre 1 verset 17. Read for us James chapter 1 verse 17. Jacques chapitre 1 le verset 17. Grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like fleeting shadows. Amen. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? What does every good and perfect gift is from above? C'est que la bénédiction de Dieu est avec l'homme brisé.
It means the blessing of God is with the broken man. Et c'est elle qui apporte les vraies bénédictions à l'homme brisé. And it is what brings the true blessing to the broken man. Vous notez que write that. Il est écrit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, it is written that when God agrees the ways of a man, lis pour nous Proverbes chapitre 16 verset 7. Read for us Proverbs chapter 16 verse 7. Proverbe chapitre 16 le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. When the Lord takes pleasure in anyone's way, he causes their enemies to make peace with them. Amen. Hallelujah. Amen. La rencontre avec Esaü devient par là même une occasion de bénédiction. The meeting with Esaü become by that time a blessing. Une rencontre amicale, fraternelle, cordiale. It's a friendly meeting. Pourquoi? Why? Dieu a changé le cœur d'Esaü. God has changed the heart of Esaü. Dieu a changé le cœur d'Esaü. God has changed the heart of Esaü. Et lis pour nous le verset 4 de Genèse 33. Read for us verse 4 of Genesis 33. Genèse 33, versets 1 à 4. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Esaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Esaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Amen. Alléluia. Amen. L'homme Jacob, l'homme devenu Israël, sait déjà se prosterner. The man who has become Israel already know how to bow down. Il sait déjà se prosterner. He already know how to bow down. Frère bien-aimé. Beloved brother. Partout. Everywhere. Où règne le manque de pardon. Where we will have lack of forgiveness. C'est l'homme non brisé. Is the not broken man. Les hommes brisés s'humilient facilement pour demander pardon aux autres, pas à Dieu, aux autres. Humble themselves easily to beg others pardon. Si tu vois qu'il y a une crise quelque part, if you see there is a crisis somewhere, qui ne finit pas, which is not ending, il y a quelqu'un qui refuse de se prosterner parce que le moi est sur le trône. It means there is someone who is refusing to bow down because the self is on the throne. Le moi, the self, est sur le trône. Is on the throne. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Dès qu'on est brisé, as soon as you are broken, demander pardon devient une culture, to une tradition. Becomes a culture or a tradition. Brisé, 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 brisé. Broken, broken, broken. Humilié, humilié, humilié. Humble, humble, humble. Je suis allé chez ma grande sœur. I went
to my sister, my elder sister. Deux petits enfants. Two small kids. Environ 4 ans et 5, 6 ans. Around 4 and 5 or 6 years. Elle s'est mise à pleurer. One started crying. L'autre l'avait offensé. He was hurted by the other. Dieu m'a inspiré. God inspired me. J'ai dit à celui qui avait offensé, je lui ai demandé de demander pardon à son frère. I asked the one who offended the other to beg pardon to his brother. Son frère était en train de pleurer. And his brother were crying. Demande-lui pardon. I said, ask him to forgive you. Demande-lui pardon. Ask him to forgive you. Allez. Il a éclaté en sang. Pardonnez-moi. He started crying. Et l'autre était là debout et il souriait. Les larmes aux yeux, il souriait. And the other one was there smiling with the tears on his eyes. C'est-à-dire le moi était. The self. Frère, va demander pardon à ton frère. Brother, go and ask your brother to forgive you. Une sœur avait offensé une autre sœur. A sister offended another one. Je lui ai dit, va lui demander pardon. I told her, go and ask her to forgive you. Au lieu d'aller demander pardon, instead, elle a acheté 3 pains. She bought 3 cloths. Elle lui a offert 3 pains, sans parler. Hein. She offered her 3 cloths le without moi, speaking. Le moi the self. Avait tout bloqué. Blocked everything. Vous voyez, Dieu a brisé déjà Jacob. You know, God has already broken Jacob. Et il a déjà passé le premier test. And he has gone through the first test. Il a mis tout le monde derrière. Il est passé lui-même devant et s'est prosterné 7 fois. He put everyone behind him. He go himself before chose, and bow down 2 times. 7 times. Impossible. Une chose qui était impossible à Jacob. Something which were impossible in the past. Il l'a pratiqué, on ne sait à quel moment du jour de la nuit il a appris ça. He did it. We don't know at which moment of the day he learned it. Et Dieu a touché le cœur de son frère. And God moved the heart of his brother. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le verset 4 dit. Verse 4 says. Ésaü courut à sa rencontre. But Esau ran to meet Jacob. Il l'embrassa. And embraced him. Se jeta à son cou. He threw his arms around his neck. Et le baisa. And kissed him. Et il pleurait. And they wept. Acclamation à Jésus-Christ. Let's clap Jesus. Il pleurait. They wept. Des années perdues. The lost years. La ruine émotionnelle. And the rien. Emotional ruin. Ils pleuraient. Ils pleuraient. They wept. Oh, ils ont perdu le temps. They lost time. Le brisement. Brokenness. Est une source de bénédiction. Is a source of blessing. C'est là où la vie de Dieu se manifeste dans une église locale. It's where the life of God is shown in a local church. Tout le reste est un mensonge. Tout le reste est un mensonge. The rest is a lie. Que les gens se rassemblent. That people are gathering. Ils se mordent les uns les autres. They just bite each other. Et ils disent qu'ils adorent Dieu. And they say they worship God. Personne ne peut s'abaisser. No one wants to downsize or to s'humilier. To humble himself. Et implorer la grâce de son frère. And beg the pardon of his brother. C'est un mensonge. It's a lie. Que des orgueilleux. That a proud man. Incapable de demander pardon et de se pardonner. Unable to give forgiveness or to beg for forgiveness. Rassemble et dit nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Gather and say we are saved, we are saved. J'ai rendu ministère pastoral. I rendered a pastoral ministry. Et je pense qu'il y a des pasteurs dans cette salle. And I know there are pastors in this hall. Pas que je pense, je sais. I know. Mais. But. Le jour où vous allez rencontrer deux frères. The day you will meet two brothers. Qui refusent de se réconcilier. Who are refusing to get reconciled. Qui sont capables de s'insulter, de mentir.
who can insult each other and lie to one another, vous n'allez rien comprendre. You will understand nothing. Je vous dis la vérité. I'm telling Je ne parle you. Pas des païens. I'm not speaking about pagans. Même dans cette salle. Even in this hall. Il y a des gens qui entretiennent les querelles, même en marchant, leur homme intérieur est en train de se quereller. There are people who like quarrels. Even when walking, their inner being is quarreling. Dans le monde, certains frappent le poing sur le volant. Some people beat. Parle seul dans la voiture. They shout in the car. Ils frappent le poing sur le volant. The car. C'est-à-dire il y a un volcan dedans. It means there is a volcan inside. Si tu n'as pas accepté d'arrêter la lutte, if you have not accepted to stop the fighting, il y aura toujours ce volcan en toi. There will always be this volcan. Il y aura ce volcan en toi. There will always be this volcan. Il y aura le projet de tromper. There will have the project of deception. Tu vas toujours emprunter les chemins tortueux. You will always use bent ways. Bonaventure, viens nous dire comment tu voulais aller en Europe. Viens. Brother Bonaventure, come and tell us how you wanted to go to Europe. Quand les gens sont dans les mauvais projets, ils sont fatigués. Tu penses qu'ils dorment aux réunions de prière parce que leur esprit n'a pas encore accepté d'arrêter la lutte et ça les fatigue. When Donne people le are in bad projects, they are always tired. Écoutez they son sleep témoignage. At the meeting because their mind is working and is tired. Et quelqu'un est en train de te délivrer. Someone is being delivered. Vas-y. Gloire à Dieu. En 2004, j'ai un ami qui est parti en Suède et il m'a appelé. Il dit, Bonaventure, je suis en Suède, il faut faire ton passeport. Et je suis parti à Lomé pour aller faire mon passeport. Et le passeport, c'est 30 000, mais j'ai mis plus d'un million dedans pour faire le passeport. Quand je suis arrivé à Makori, on a organisé l'évangélisation. Et c'est l'ancien Brice qui a prêché le jour-là. Et pasteur est venu. Moi, j'ai déjà un visa touristique pour aller en Suède. Et quand le pasteur est arrivé, il a pris la parole, il a commencé à prêcher sur la fausseté. Première des choses, dit la fausseté. Qu'il y a des gens qui prennent visa touristique. Jésus-Christ. Jesus Christ. Amen. Pour aller en Europe. Et si le visa est périmé, ça va se cacher dans les placards. Et il dit, ça là, c'est moi. Parce que mon visa, c'est un visa touristique pour 2 mois. Et je suis parti voir le pasteur et dit, ah, le message, c'est moi, j'abandonne. Et acclamation. Let's clap. Amen. Merci, merci. Thank you. Dieu t'a parlé. God has spoken to you. Je te dis la vérité. I'm telling you the truth. Dieu t'a parlé. God has spoken to you. Tu ne seras plus le même. You will not remain the same. Et tu vas faire plus que Bonaventure. And you will do more than Bonaventure. Ça fatigue. It bothers. Cette vie de débrouillardise, elle fatigue. This life of self-management. Elle t'épuise. It tires you. Tu n'as pas de paix, tu n'as pas le repos. You have no peace, no rest. Tu luttes. You fight. Tu luttes. You struggle. Tu ne discernes même pas que cette main-là,
la force de cette main. You even don't see that the strength of his hand. Ce n'est pas la force d'un homme. Is not the hand the strength of a man. Dieu veut te faire du bien. God wants to do good to you. Dieu ne brise pas pour le malheur. God does not break people for the curse. J'ai pour vous des projets de paix, non de malheur. He said, but I have for you project of peace, not of unhappiness. Dieu peut fermer la porte. God can close the door. Il peut fermer la porte. He can close the door. Le mariage, c'est une affaire peut-être de deux mois. Pour toi, mariage de 10 ans, 15 ans, Dieu a fermé la porte. Marriage is a matter of 2 or 1 month. But for you, it is a matter of 10 years. It means God has closed the door. Il faut discerner la main de Dieu. You must understand the hand of God. Il faut discerner la main de Dieu. You must discern the hand of God. Il faut discerner la main de Dieu. You must discern the hand of God. Il faut discerner la main de Dieu. You must discern the hand of God. Tu as un problème. You have a problem. Tu demandes l'aide, tu n'as rien. You ask for help, you have nothing. Tu demandes les prêts, tu n'as rien. You ask for credit, you have nothing. Tu dis même achetez-moi-même, on n'achète pas. You even say please buy myself and you are not bought. Va te mettre à genoux, tu restes là. Go and kneel down and remain there. Tu verras la personne, tu verras qui va te rendre visite. You will see who is going to visit you. Dans ta chambre. In your bedroom. Tu auras un témoignage. You will have a testimony. Dieu existe. God exists. Dieu existe. God exists. Ne prends pas 2 pages de l'évangile. Don't take 2 pages of the gospel. Et tu chantes les cantiques. And you sing songs. Prends l'évangile. Take the gospel. Crois l'évangile. Believe in the gospel. Tu seras béni. You will be blessed. Dès que tu embrasses l'évangile, as soon as you embrace the gospel, ce livre-là, this book, tu l'avales, you swallow it, sans trier les phrases, without taking or checking or choosing the words, tu seras transformé. You will be reformed. Tu seras transformé. You will be reformed. Dis amen. Say amen. Ne pleure pas. Si tu pleures, même tu gâtes encore. Do not cry. If you cry, you are making it worse. Baisse tes mains. Just put down your hands. Tu dis, je suis vaincu. You say, I am overcome. Et tu chantes avec les semeurs. And you sing with the sowers. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu m'as vaincu. I will spend my life telling everyone that you have overcome je me. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu m'as brisé. I will spend my life donne telling people that you have cœur, broken me. Le rythme de ta loi, oh Jésus. Donne à ma vie give le to rythme my life de ta vie. The rhythm oh of your Seigneur. Life. Et tu passeras le temps. And you will spend time. À dire. Telling. J'étais dur. I was j'étais hard. Faux. I was un roublard. I was a crook. Et Jésus m'a brisé. And Jesus broke me. C'est ce que Paul a commencé à faire. It's what Paul dit, started j'étais doing. Méchant, persécuteur. I was wicked, persecutor. Blasphémateur. Blasphémateur. Mais il a plu à celui qui voulait que je prêche l'évangile de son fils. To the one who want me to preach the gospel of his son. Et il a révélé en moi. And he revealed him to me. Et ton histoire a changé. And your history je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es puissant. That you are acclamation powerful. À Jésus-Christ. Let's clap. Donne à ma vie give to my le rythme de ta vie, the rhythm oh of life. Jésus. Jesus, my Lord. Donne à mon âme give le to my rythme soul. De ta loi, the rhythm oh Seigneur. Of your law, my Lord. Un homme nouveau. A new man. Et puissant mais boitant. Powerful but limping. Puissant. Powerful. Plus puissant qu'avant. Powerful.
than ever. Mais but avec la marque de Dieu. With the sign of God. Rien que la pensée de cette marque là. And only the thought of his sign. Parce qu'il sait où ça vient, il sait d'où ça vient. Because he knows from where it Ce n'est comes. Pas un furoncle. It's not a furoncle. C'est un coup de poing de Dieu. It's a no. Bam. It's a coup of God. Et tu ne peux plus être le même. And you can do nothing by yourself. Tenons-nous debout. Let's stand up. Dis à Dieu. Say Lord. Tu es puissant. You are powerful. Dis à Dieu quand tu luttes, tu rapportes la victoire. When you struggle, when you fight, you overcome. Dis à Dieu, je t'adore, oh rédempteur puissant. Say, oh powerful Redeemer, I worship you. Dis-lui, oh Père, si tu n'étais pas fort, qu'est-ce que j'allais oh, devenir? Father, if you were not strong and powerful, what would I become? Avec mes roublardises. With my crookedness. Et mon escroquerie. And my crookedness. Si tu n'étais pas puissant. If you were not powerful. Pour laisser cette marque sur moi. To leave a sign on me. Qu'est-ce que j'allais devenir? What will I become? Si tu ne t'étais pas opposé à moi. If you did not oppose me. Jusqu'à ce jour. Till today. Si tu n'avais pas organisé cette lutte. Cette if you lutte, had not organized this fight. Qu'est-ce que je serais devenu? What have I become? Qu'est-ce que je serais devenu? What have I become? Commence à l'adorer, à lui appeler. Start worshiping him. Kura baka shara baka sharga baka sharga baka. Kura baka sharga baka sharga baka sharga baka sharga baka. Hotereka, 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 hotereka. Etere baka reka baka seka. Remba hele kere belte riba kura kabareka banan. Oh, ridal basa baka sabaka sabaka baka. Kura baka sharga baka sharga 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 baka. Kura baka sharga baka. Kura baka sharga baka sharga baka. Veuillez vous asseoir, quelques personnes viennent prier. Please sit down and let some people come and pray here. Oh Père, oh Father, je te rends grâce. C'est grâce à ta main puissante que nous sommes là, oh Dieu. It's by your, the grace si of tu n'avais organisé cette résistance, if you had not organized this qu'est-ce resistance, que je serais devenu? What will I become? Oh Dieu, je te dis merci. Oh God, I'm thanking you. Amen. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta manière d'agir dans la vie des hommes que tu aimes pour donner un sens à leur vie. Seigneur, nous comprenons que la lutte d'un homme ne peut pas l'aider à réussir. Nous avons vu le cas de Jacob. Mais quand il a été brisé, quand il a réussi ta marque, il est devenu un autre homme. Affaibli, mais en l'assistance de Dieu. Ayant toutes les bénédictions de Dieu. Et il pouvait fléchir devant son frère. Seigneur, je prie que tu m'aides, Seigneur, à mettre fin à toute lutte dans ma vie pour parvenir, Seigneur, à cette vie pour que je vive comme tu le veux, Seigneur. Je mets fin à toute lutte dans ma vie. Et je dis, Seigneur, je cède. Je vais marcher avec toi. Je prie non seulement pour moi seul, mais tous ceux qui sont en train de lutter encore avec toi, visite-les afin que la lutte cesse et que nous devenions des personnes mises à part pour toi, pour marcher avec toi en nouveauté de vie. Bien que nous ayons donné nos vies à toi depuis longtemps, qu'il y ait notre Dieu, cette marque, ce coup que tu donnes, on ne peut plus jamais lutter. Merci Seigneur de nous amener à ce carrefour. Nous cédons et nous disons oui au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, si tu n'avais pas agi, je ne serais rien devenu. Je serais corrompu, corrompu, corrompu. Merci pour la manière dont tu as traité les choses.
Père éternel, sois béni, sois béni, sois béni. Merci pour chacun d'entre nous. Et c'est pour... Il y a encore beaucoup d'autres luttes dans mon cœur. Il y a encore beaucoup d'autres luttes dans ma vie. Je cède ce jour. Merci Seigneur. C'est par amour que tu nous as élevés jusqu'à ce niveau. Sois béni, sois béni. Oh Dieu, cet enseignement prouve encore que tu nous as cédé encore la place afin de nous récupérer, pour nous rendre meilleurs. Sois béni, sois béni, sois béni. Éternel, agis pour que chacun devienne meilleur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis. Merci Seigneur pour cet évangile pur, pour cette source d'eau pure. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon âme languissait après un évangile pareil. Tu l'as amené en Côte d'Ivoire. Père, tu es allé trop loin avec le frère Zach. Et c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Pour faire de nous des hommes de qualité. Oh Seigneur, notre Dieu. Oh Seigneur, notre Dieu, notre Dieu. Je te dis merci. Je te dis merci. Oh notre Dieu. Brise-moi, Seigneur. Je n'ai pas un autre choix. Émiette-moi, Seigneur. Écrase-moi, Seigneur. Même si ce n'est pas à cause de la promotion. Qui suis-je? Oh mon Dieu. Je plaide, Seigneur, pour les oreilles qui écoutent ma prière, ceux qui disent amen à ma prière et ceux qui sont loin d'ici, Seigneur. Tu as envoyé, Seigneur notre Dieu, ce messager ici pour nous donner l'évangile pur, pour faire de nous des hommes purs, agréables à toi. Je vais te dire merci. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur t'accompagne. Let the Lord see you off.